coupe le micro, attendez, je vais me garer quelque part là. Voilà, partagez mes gens, je sais que le réseau dérange, partagez, partagez. Parce que les gens vont comprendre pourquoi le Kumamugu ne fait que pas comme certains, mettez-moi un peu d'étoiles. Même les gens qui viennent mettre les 10 000 étoiles, les Thérèse Tchamalé, j'ai dit, prends tes 10 000 étoiles, fous ça là où tu veux. Ok? On ne me contourne pas. On ne me manipule pas. Ok? De comment Mougou? Ok? Si la toile était honnête, c'est de comment Mougou le king. Quand de comment Mougou dit qu'il avait toi, il avait toi. Personne ne va venir faire en sorte qu'il ne se sépare de toi. Tant que lui-même ne sait pas de c'est de comment Mougou. Je suis tout petit comme ça. Protecteur. Voilà, je suis au Havre. C'est mon frère Kameni. Parce que je ne veux pas faire comme vous, là, sur la toile. Dit que oui, c'est un Bamileke. C'est mon frère Kameni. Il mangeait chez nous. Je mangeais chez lui. Chez eux. OK? Qui m'avait laissé ici. Frère, reste avec le village. OK? Une vingtaine d'années, je suis là. OK? Si j'aurais été comme les Amerikamers, est-ce que je serais encore ici? Non. Hein? Est-ce que j'allais regrouper ma famille, ma mère, mes petits frères, hein, mes tantes et consorts ici? Vous voyez, c'est pour ça que je combats vos choses que vous faites là sur la toile. Voilà. Donc, si nous, tout le monde a baissé ça, et que les squelettes là ne veulent pas comprendre, voilà, vous allez faire vos directs en chantant. OK? En ouvrant vos gousiers. Ouais. Belin, big up. Aniel Langua, big up, merci pour les cœurs. Oui, j'ai un mauvais réseau, attendez que j'arrive. Je vois, il y a des personnes qui font, regardez, de 6 heures à minuit, et s'enchaînent de minuit à 6 heures. Dites-moi, c'est quoi? C'est 12 heures, c'est quoi? C'est 24 heures, non, mes gens? C'est 24 heures, non? Hein? C'est 24 heures. Hein? J'ai publié là. Abe Kachalo. Abe ceci. Ça veut dire, elle voit plus que Mitterrand. Pas son âme. Plus que Jean Chirac. Plus que Sarkozy. Plus que Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Mais elle parle des lois, mais elle ne maîtrise pas. Voilà. Quand une entreprise est en enregistrement judiciaire, les ouvriers sont protégés. OK? Voilà. C'est la fin qui justifie les moyens. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui est sûr, OK? Que ça se ferme parce que vous êtes chez les Blancs, vous ne savez pas que, hein, il y a des caisses pour sauver certaines entreprises. OK? Voilà. Hein, Cachalot? Non! C'est parce que les gens vont t'écouter avec ta voix d'oiseau là. Je n'ai pas encore commencé à ça, c'est pour vous rendre, c'est-à-dire, c'est pour vous, je vous minimise, ok? Et bien vous pouvez pas A plus B, ce n'est pas le Congo ça, hein? Ce n'est pas le Congo ça, faut qu'il cache. C'est écrit quoi? Période de quoi? De mars, non? De mars, non? Voilà. Allez vous cacher. Heureusement que vous faites ça entre vous. Qui vous suit. Vous dites que vous êtes des avocats, des procureurs, ben ceci. Hein? Huissier, tatatac, vous maîtrisez tout, vous wattisez. Mais est-ce que vous maîtrisez donc alors le monde du travail et ses lois? Non. C'est pour ça que vous vous cachez. J'avais dit, votre patron est au noir. Et vous choisissez toujours les horaires. Les horaires. Là où nous nous sommes occupés. Et quand nous dormons. OK? Pour faire ça là, entre vous. C'est ça. Et vous pouvez pas A plus B que. Quand j'ai dit. Même au Maroc, j'envoie l'argent. OK? J'envoie. OK? Beaucoup là me suivent. Je peux vous dire quand. Mais je n'envoie pas souvent beaucoup. Hein, parce que. C'est 50 euros. Quand je ne te connais pas, hein, et que tu as compris que oui, j'ai bon cœur, tu veux me soumettre que ton problème, je vais t'envoyer 50 euros. Je ne t'envoie pas plus que ça. Hein, je ne sais pas si tu me dis la vérité, si tu me mens.
Ouais, beaucoup ont compris que j'aime beaucoup les gens, les enfants, mes gens. Hein? Vous allez toujours voir là que mon enfant a manqué la nivakine et ceci. Tu vas faire comment? Tu vas savoir comment si ça te manque. Hein? Hein? Ou ça te dit la vérité. Envoie d'abord. Faut pas que ça te rattrape demain. Hein? Alors qu'on te disait la vérité. Moi, je suis comme ça. J'ai mon taux. Mais quand tu es ma personne, auquel tu me soumets un problème, j'envoie un gros bureau. Il y a toujours eu les témoins ici. Mais ne profitez pas de ça. Ma bagouche, big up, big up, big up, big up. Attendez, j'arrive. La connexion est bizarre, bizarre. Vous savez, le Havre est en clavou. Voilà. Depuis que le Havre est ancré dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà, Dieu merci, hein, notre ancien maire qui était devenu premier ministre, voilà, est revenu. Et oui, on se la coule douce ici, le poisson frais, la bonne viande, les abattoirs, si tu veux les pâtes de porc, une, si tu veux les pâtes de peau, de bœuf, les pâtes de vache, tout, une, ici. Ouais, et vous savez très bien, la vache, c'est la vache, oui, la Normande. Oui, la Normande. Si vous comprenez un peu. Ouais, regardez, regardez celui-ci. Eh, Anoma, je peux te couiner là. Comme on dit que c'est une vieille ferraille. Je te couiner là, n'est-ce pas? J'allais me retrouver peut-être que demain avec une ferraille neuve. Heureusement que tu n'as pas affaire au mec de quartier. Henri Pierre Kinoto, bipé, bipé, big up, big up, big up, big up, big up. Big up, big up, big up. Je continue à vous dire, vous les femmes qui me suivez, je ne vous demande pas de montrer mes vidéos à vos enfants. Montrez quand je suis au travail, n'est-ce pas? Même si je parle, hein, baissez le volume, rien que pour que ça me voit. Ok? Comment je souffre en France. Ok? Tous vos enfants, ne partez pas dans les églises, priez que tous vos enfants seront des bureaucrates, hein, les ingénieurs et comme ça. Hein? Vous allez rater le casting. Remarquez, il y a des enfants, parfois, ça ne va pas à l'école. Essayez déjà un peu de parler. Vous voyez, je suis venu ici en France, en Bengue, pour être professionnel avec mes pieds. Mais aujourd'hui, je suis professionnel avec mes mains. Dites-moi un peu, quand on parle du salaire dans la fonction publique, qui me peut au Cameroun, même le ministre? Momo, est-ce que tu me peux? Non! Non! Dis-moi, les salaires de ces gens-là, c'est combien même? Hein? Laissons les trucs là, à de côté, là, c'est combien? Dites-moi un peu. Le ministre Momo, je peux ramener en Konkana. Vous savez que c'est en Konkana que, dans le taxi, on avait annoncé qu'il avait été nommé, non? Hein? Je n'oublie rien. Hein? Je peux ramener là-bas, là, parce que c'est le ministre que moi, j'aime bien. Il est comme moi. Voilà. Même si je suis quoi, de comment Mougou sera toujours égal à lui-même. Le ministre Momo, lui, hein, il va partout, il mange son congrès de chef. Hein. Le ministre Momo aime le congrès là. Mais mon ami, mes gens, je vous annonce la couleur parce que vous oubliez toujours le passé. Ça veut dire, le ministre Momo, voilà. Lui, il aime toujours aller manger le congrès de chef là-bas, la Konkana. Et donc, quand il finit de manger son congrès, hein, le gars avait sa langue de bois. Hein, il n'avait pas compris que oui, sa langue de bois avait payé. Dans le ministre Momo que vous voyez là, voilà, qui chantait là. Ça veut dire, j'aimerais que, même s'il y a changement, voilà, de pouvoir au Cameroun, ok, mettez toujours ce monsieur-là, ministre. Ça veut dire, il nous fait du bien, les cathésards et consorts, il est tout terrain. Il chante plus que je vais y arriver, mes gens. Partagez, non. Moi, j'aime les pareils ministres tout terrain. Et c'est là où j'avais convaincu la toile. Quand Bagba avait lu l'heure. Hein, quand Warus m'avait nommé. Hein, elle est venue pleurer 500 fois. Hein, je n'avais pas pris, hein. Les appels en absence. Et j'avais réfléchi. J'avais dit que bon, voilà. N'est-ce pas le ministre Momo passe souvent au carrefour de la joie le week-end? Hein? Les jours ouvrés, il est bureaucrate. Hein? Ouais, ouais, de comment Mougou est inspiré. Ben voilà. Il n'oublie rien. Venez, venez, chacalo, chacalo.
Chacalo, chacalo, chacalo. Je ne peux plus prononcer ton nom. Mais tout le monde sait déjà que oh, le chacalo, éléphant de mer, Foco. De comment mourir toujours dans sa sécaclo. Toute option, oh, écoute. Les carreaux se baissent automatiquement. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas comme la voiture d'un mec, quand même. Il ne s'écarte. Voilà. Pac, 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 pac. Ah non, va. Donc, maman, vous conduit avec deux doigts, comme les deux doigts de Caïman, en qui caressait son tumbu. Ah non, maman. Les lèvres d'une gars. Hein, devait avoir un peu de beurre, mais les lèvres de Shiga, mais mon ami, la sécheresse de ça, hein, c'est comme, voilà, l'escargot fumé, hein, vous venez là, bab, micro, la baleine obélie. Cachalo, un nom qui avait été donné par Attaquant Sura de Belgique. Ah non, Attaquant Sura. Hein? Moi, j'avais dit aux gens, il faut qu'on te laisse, tu n'es plus de nous. Aujourd'hui, tu reviens vers nous. Hein? Mais mon ami, quand je mène un combat, mon soutien, vous allez faire comment? Vous allez obéir. Je vais parler, attendez, j'arrive. Je vais d'abord montrer aux gens qui font des directs à 24 heures pour avoir l'audience de Dekomamougou. Je ne fais pas d'efforts, mes gens. Eh, Anouma, la Lyonne, big up, big up, partagez ça. La Lyonne, partagez ça. Quand tu ne vas pas partager un direct là où on va faire allusion à ta sortie, hein? Vu que Mafo continue, voilà le tout. Pour essayer un peu de nous faire comprendre que celui-là, Angabe Siriki, vous connaissez la Lyonne. Tu n'as jamais eu un chop nanga qui t'accompagne souvent là où tu pas écarté. Hein, la Lyonne, vous les gars là, vous connaissez. Bon, peut-être que si à vos temps, si, hein, moi, quand je joue au foot, hein, et ça dit manga, avec toujours, hein, vous les voyez, hein, ils sont rigolos. Ils font, vous savez que les gars aiment bien, hein, les gens qui sont marrants, vous prendre comme des chop nanga. Mais quand vous voyez Hamek que Siriki, il a fait quoi? Que quelqu'un peut dire que oui, celui-là, il est un homme. Non, Aneminga. C'est-à-dire, la façon que Mafou était parti finir avec Mangiata, hein, c'est la même chose. Et il avait fini avec les gars des riches. Mais Jean, hein, il n'avait pas compris pourquoi Mafou était parti lui remettre une bouteille de l'éclat de riz à Mandumba. C'était pour lui faire comprendre que, tu sais, je suis venu te finir, te rendre moutonne. Le gars, entre temps. Vous savez, c'est pour ça qu'il dit souvent, les gens comme la Zamé Kamé n'ont pas de vécu, et c'est pas là où ils ont grandi. C'est comme si tous les gars qui viennent, hein, même avec les cœurs ici, avaient dit que oui, ça me yamou. C'est comme ça que lui, il est. Hein? Vous voyez sur sa page là, dès qu'un gars lui met les cœurs, hein, il commence à dire je t'aime ma chérie, hein, comme amusement. Et il est sérieux, hein, je vous dis, il est sérieux. Il est sérieux. Il est sérieux. Moi j'étais sorti en vrai pour conquérir le mouvement. Et tellement, ça sentait un truc qu'il était vraiment siriki. À chaque fois que Magina Kenka faisait un bijou, voulait faire un bijou à Mekame, ça disait, tu dis, de comment Mugu, regarde. À chaque fois, allez regarder tous ces directs-là. Je suis sorti en vrai, avec, hein, la femme aux fouchettes. Ça veut dire, devant vous, avec des milliers de personnes, ça nettoie mes oreilles avec ses orteils de pied. Ça veut dire, en forme de coton-tige. Pour dire à Magina Kenka, ouais, là, voilà, voici ça. Ouais. Mais moi, oui, la salissure salit son image. Mais dans le sens que, elle pouvait écarter. Je savais qu'elle ne pouvait pas écarter. Elle est prudente.
le vieux serpent bois là, Magina Kenkam. Vous croyez que c'est que Magina Kenkam dit que oui, le jour qu'on va encore la pédécler, le sang va encore un peu couler. Est-ce qu'elle ment? Quand on, les gens disent que oui, hein, on laisse avec la langue, est-ce que la langue des vierges, ça caresse les lèvres, voilà. Donc, je ne crois pas parce que Magina Kenkam, elle est frileuse. Hein. Moi, quand je suis arrivé sur la toile, mes gens, j'avais y'a que, elle avait fui un banzizi là-bas là, en Italie, chez un saracoulé. Elle est frileuse. Vous voyez, elle fait son boucan là, elle dit qu'elle est yougou, 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 yougou. Hein? Apparemment, ça fait from. Si vous voulez, dites que oui, on lèche. Mais est-ce qu'on léchait? Hein? Et le mbangzizi, 53 cm, c'est la même chose. Est-ce que le sang peut couler quand on lèche, mes gens? Patrick Edoula, big up, big up. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai donné le numéro. Il y a Benjina, je crois que tu étais avec Christian au pays. Hein? Mes gens, dites-moi un peu. Imagine que quelqu'un me répète souvent à chaque fois que oui, elle est vierge, elle est vierge. Ce n'est pas que hein, elle n'a jamais tout mal. Voilà, c'est pour nous dire que ça fait from. Elle dit souvent que ça fait 2 ans et qu'on sort. Mais il y en a qui disent que oui, elle niasse. Et donc, dit que, bon, hein, la langue et la pénétration, est-ce que c'est même chose? Hein? Donc, Magina Kenkam nous veut nous faire comprendre que Dougoutigui, hein, si Dougoutigui continue comme ça, là, peut-être, hein, elle va plus être déviagée pour la deuxième fois, pour que le sang coule. Parce que Magina Kenkam, mes gens, donc, mes gens, je vais faire une petite sensibilisation avant d'entrer. Ok? Parce que parce que si vous ne partagez pas, moi-même, je vais aller partager. Et si vous voulez que je finisse le direct ici, partagez. Ok? Donc, un bon début de semaine. Voilà. À tous les battants. De tous bords. Même si tu fais quoi? Même si tu écartes. Puis vu que l'argent de cet écartement-là te soit utile. Ok? Te serve à quelque chose pour que demain, quand tu seras une vieille peau. Ok? Que ça puisse. Voilà, que tu puisses avoir les gens qui vont t'aider parce que tu as beaucoup travaillé. Est-ce que vous comprenez un peu? Ouais, que ma flow, big up. J'étais déjà dit, avant de faire big up, mais d'abord, Fourgui, je veux parler de la sortie, de l'intervention de Mafo. Voilà, j'ai mis, voilà, son entrée. Ce n'est pas les entrées que, oui, là où on cherche, on fait le chercher le mot. J'ai dit, l'Allemagne nous a servi. Nous avons vu les deux Yamsers. Et en plus, voilà, Lolo Fodja a mangé la chèvre. Hein? Non, la chèvre, ne venez pas me tuer, attendez. Ne venez pas me tuer. Vous voulez que je reste ici? Et après, je parle d'abord ici. Et après, pour vous montrer les images, j'entre dans notre enceinte. Ok? Donc, partagez. Moi-même, j'ai décidé que mon église, comme on disait que oui, mon église est une église de satanique. Hein? Ça fait ceci aux femmes. Voilà donc alors vous les femmes, j'ai fait. Hein? Et la lionne, est-ce que c'est toi qui a bipé ma foi dans ton direct ou bien ma foi a dit que voilà, je continue à éclaircir la situation. Je passe là où, voilà, on me respecte. Vous comprenez un peu? Je veux parler de ça. Voilà, l'intervention, parce que ma foi est obligée de faire ça. Hein? Oui, parce que sinon, le type là allait venir ici, là, parce que moi, j'avais déjà commencé à framponner parce qu'il avait répondu en commentaire, parce que on lui dit d'aller se soigner, hein, d'aller se soigner. Regardez toute la sensibilisation que j'ai faite sur ma page, là, pour lui, pour qu'il ouvre les yeux. Hein, il a pas les bagues de Versailles. Mais Jean, vous-même, moi, un garçon, ma fournique, l'éléphant, là, et on vient devant une vieille personne tout à fait
Ne dis qu'on a jeté ça. Là, donc, alors, les chums n'ont pas qui sont que. Parce que nous n'avons pas. J'ai dit, il y en avait un. Ça veut dire, ça vient lui, mais. Hein, par exemple, moi, j'ai manga. Voilà, quand j'épingle. Voilà. J'ai un manga, par exemple, qui a son chum nanga. Mais il est là, il fait le malin, alors qu'il a mon macabo. Il peut m'empoisonner, malgré le petit Fanta que je baille pour qu'il reste au bar là, en attendant que me boube. Et il y a, voilà les kunaguro, non? Les chum nanga. Les voilà. Mais Jean, hein, la lionne, réponds-moi. Est-ce que c'est toi qui as invité, tu es parti appeler Mafou pour venir intervenir? Parce que pour moi, en tant que quelqu'un de réfléchi, depuis que celui-là est sorti, ok? Voilà. N'est-ce pas, je vous ai dit que si Mafou ne sortait pas, mais mon ami, il avait déjà commencé. On dit à quelqu'un, va te soigner. Voilà. Et à Kamayon est où? Viens ici, viens commenter ici. Menga Karuna, hein? Insulte-moi un jour, Weyen. À Kamayon est où? Viens ici. Les Mimi Love. Hein? Hein? Mais Vanessa Moukou, Mineve, vous êtes où? Je ne vous en veux pas. Et ça, ça, c'était depuis 2018, les combats là. Les Mimi Love. Hein? Thierry, toi. Et Anoma, Thierry, toi. Le petit là avait lui là. Il voulait. Il était venu parler le problème. C'était de qui? Aïe, 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 aïe. Oh, je pouvais encore comprendre si c'était pour Flora. J'ai framponné le petit là chez Malox. C'était chez Malox. J'avais dit au petit là que demain j'arrive à prendre sa attitude. Mais mon ami, le soir, j'ai reçu un petit commentaire que, grand frère Mougou, s'il te plaît, hein, je ne savais pas que tu étais gentil comme ça. Il y a ma grande sœur qui me dit que non, hein, tu n'es pas une mauvaise personne. S'il te plaît, je te demande pardon. Le petit est toi là. Vous voulez blaguer avec moi? Vous connaissez les combats que j'ai menés. Moi, je suis dépassé, hein, qu'on peut ça. Insulte, attends. En disant qu'elle, ça fait quoi? Sona Muna, big up, big up, big up. Ça fait quoi? Vous ignorez quoi? Hein? Vous ignorez quoi? Dites-moi un peu. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est Piscaline qui est à l'entrée, faisait le direct que j'ai publié là, non? Piscaline. C'est Piscaline, non? C'est Vitassi, big up, big up, big up. Il était dit, c'est Piscaline qui était, j'ai publié, j'ai fait un réel là, en Allemagne, parce que je veux tout mettre. Voilà. Je cherche pour Lolo, et à Noma, on dit que je suis Tinder de Lolo. Hein? Moi-même pour retrouver les images de Lolo, hein? Mes gens, hein? Dites-moi un peu. Écrivez, je sais que la connexion. Ouais, que, est-ce que vous. Attendez, attendez. Attendez. Mais Jean, la voiture, si on devait la confisquer, voilà, vendredi passé, hein, et donner le nom de mon père. Hein? Et donner le nom de mon père. Et à nous, maman. Et Seigneur, j'étais où? J'ai mangé mes dents au pays. Me voici. J'ai rêvé un jour. Un jour que j'allais même bailler même un vélo, mes gens. J'ai souffert, hein. Mes gens, j'étais manœuvre depuis l'école primaire. Depuis l'école primaire. Dès que M. Batikara sonnait, bang, 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 même si je n'avais pas encore fini d'écrire. Mais j'étais trop intelligent. Mes gens, il ne vous manque pas. Ce sont mes pieds-ci. Mes pieds-ci. Qui avaient crampé de Komamugu. Quelle illusion. Si j'avais continué l'école. Mes gens. Big up, big up, big up, big up. Patrick Bongé, ça va? Suzy Olo, big up, big up, big up. Partagez, partagez. Je veux m'adresser à vous les parents. Ok? Vous qui avez des enfants. Arrêtez d'aller dans les églises, priez pour que tous vos enfants soient des médecins et consorts. Ok? Si vraiment vous ne connaissez pas les capacités de tout un chacun, il parle de vos enfants. Ne faites plus cette erreur-là.
Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus question que oui, bureaucrate ou bien quoi. Ok? Voilà. Me voici, hein. Il dit, s'il faut parler, ce que l'homme reçoit, après sa souffrance du mois, beaucoup là, ne vont pas venir l'ouvrir. Est-ce que vous comprenez un peu? Je passe le temps à vous dire, oui, je suis essentiel, je suis comme ça. Je ne porte pas les costumes de Barbès pour vous dire que oui, mais le col blanc. Mais ce que je mets sur moi, de un, il y en a beaucoup là qui portent les costumes, ok? Bien qu'un Saint Doukane, ça baille les 10 costumes. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ça, c'est depuis mon bas âge. Hein? À 16 ans, j'ai parti déjà au premier choix à Mokolo. Je vendais les Kameni, j'ai vendu. Vous allez voir, je vais commencer à fermer les gueules aux gens ici. Kameni va venir intervenir ici. Benetti, hein? Blaise, en Italie, que Fleur de Lille connaît, ok? Champion du judo du Cameroun, rugbyman. Et pour ça, je vous dis, voici mes gens, voici mon arrêt. Hein. Ok? Je m'adresse à vous, vous qui faites les directs. Hein? Vous dites que oui, vous pouvez rapporter quelque, vous pouvez ramener un plus. Vous parlez bien, vous wattisez. Quand on vous écoute, on croira peut-être des personnes qui peuvent m'aider. Et vous, ça dit, c'est pour nettoyer vos cervelles. Et il faut que ça s'arrête. Et voilà, vous manquez par là. C'est le mois de mars. Hein. Je vous ai manqué à temps. Je vous manque. Parce que... Vous voyez. Tu vois. Obélis, c'est période de quoi? Est-ce que vous lisez bien? Faut que je veux commencer à vous manquer pour que... Hein? C'est période de quoi? Mars. N'est-ce pas? Et c'est marqué combien? Hein? Regarde. C'est marqué combien? Hein? C'est marqué. Je sais pas si vous lisez, hein? C'est marqué combien? Il faut que je descende même ici. Voilà. C'est marqué combien? Lisez. C'est marqué combien? Je vais vous lire. Je vous ai dit, je suis sur une grosse charpente, n'est-ce pas? 4147. Vous voulez que je continue à montrer les autres bulletins? Hein? En tant que soudeur en Bengue, c'est pas 25 ans de carré scolaire. Ok? C'est pour ça, ceux qui viennent dire là que ben est ingénieur, ben est ceci, conducteur de travaux, je rigole. Maoui, je vous remonte encore. C'est pour ça qu'il dit, montrer. Regarde. Période de quoi? Hein? Masse. Là, on dit, voilà, net à payer avant impôt sur revenu. Ok? Lis. Donc, cachalot, tu comprends? Tu n'es qu'une ordure qui a perdu raison. Parce que non seulement, si tu avais des moyens, toi aussi, Tunisie, tu allais prendre la direction. Est-ce que tu comprends un peu? Ta voix d'oiseau, là, avec celui que vous avez pris comme mongol. Ok? Voilà les 16 enfants que j'ai radiés. C'est-à-dire, j'ai maudit le jour. Parce que, ils n'ont pas mon état d'esprit. Si vous comprenez un peu, bouclez-la un peu. Vous n'êtes rien. Vous dites que je suis vieux. Je suis ceci. Bob. Et Anouma, quelle bénédiction. J'ai maudit que ce soit vos champions qui sont dans vos ventres. Oui. Toi, gros nez, le champion qu'il y a dans ton ventre, j'ai maudit. Oh, ah. J'ai maudit. Parce que vous êtes là, vous faites des malines. Ça dit, quand nous travaillons, ok, à la recherche des vraies étoiles, ok, en tant que garçon, bonhomme, vous venez là des vieilles peaux, hein, une femme qui n'a ni articulation,
ni rein, ni genou, ni cheville, avec des doigts comme des dents de mini plats de chantier. L'aide comme la vie des décès, ingouringout, aucune forme, même le vert blanc, ok? Oui, le vert blanc. Tu comprends? T'es moribond là. Ok? T'es moribond. Oui, comme tu dis que oui, ils vont seulement à l'école pour faire l'acte de présence, ça rentre à la maison, ça ouvre le frigo, ça prend camembert, ça prend chorizo, ainsi de suite, ça regarde la télé et ça part dormir. Voici nuit là. Tu comprends? Ton domba nyumba, il a dit nyumba. Tu comprends? On voit ta sorcellerie. Une milliardaire qui raquait les murs jusqu'à voler le nom, voler pour être quelque chose. Tu es arrivé où? Vous avez pris un petit moribond qui a souffert plus que ceux qui ont caressé ici au Maghreb. Même Isaacam, son chemin n'a pas été long. Ça veut dire, un individu qui est venu ici, j'ai donné un nom qui continue à porter jusqu'à aujourd'hui, qui est au noir, qui vous a connu derrière moi, qui a que les murs, qui affiche les femmes, qui publie les femmes, ok, qui fait la jalousie, ainsi de suite. Tu peux ouvrir ton Dumba Kinyumba, là où ton champion là, soit disant ça va commode. Tu comprends? J'ai dit, écoutez-moi très bien, vous êtes une bande de minables, ok? Je rigole de vous. Est-ce que vous comprenez? Nous tous là, nous faisons nos thérapies ici. Moi, je la fais tellement bien parce que je rigole. Je profite de vous pour rigoler. Vous ne me connaissez même pas. Vous allez beau dire que oui, de Kamamougou. Mais de Kamamougou vous supplante toujours. S'il faut revenir sur terre, je serai parmi les gens qu'on va valoriser dans nos petits fous. Même les femmes qui me détestent là. Ok, si on dit, si vous mentez, on vous taille. Elles vont dire que, de comment m'aura toujours démonté. Là. C'est le mois de mars. Ok? Vous avez une grosse charpente, chantier. Et tu comprends? Voilà. Donc, cachalot. T'as pas les moyens. Si t'as pas les moyens. Ok? Je te dis. Je peux te faire un chèque. Tu comprends? Voilà. Voici mon nom et mon joli petit prénom. Je peux te faire un chèque. Et tu comprends? Voilà. Tu pars, tu appelles Flore ou Katunisi. Tu comprends? Voilà. Les gars, ouada, même les postales. Voilà, font pareil. Ok? Mais si et seulement, t'as des moyens. Arrête. Vous souffrez toute une journée. Il faut que, je dis, je suis à la carte des parents, que toi, mon enfant, tu joues lui la belle, ma bombe le roi, propre. Toi, vent bruit. Je commence par toi parce que je veux pas le reste. Il faut que j'explique. Vent bruit. Je disais donc que ceux qui ont traversé par le Maghreb, c'était en toute taille. Pac! Ils pouvaient même traverser, même avec une bille de bois, ils arrivent. Mais toi, tu sais, chez les Indiens, il y a aussi les courbes. Oui. Les femmes qui sont pac, est-ce que ça dort? Ça dort? Nous sommes ici en France. Quand nous dormons, tu es éveillé. Ok? Quand nous sommes éveillés, tu es éveillé. Tu es au courant de tout. Tu réveilles les gens, même à 4h du matin, parce que Dorcas s'est sorti. On a mis Dorcas sur un grillage. Vous ne voyez pas le bénéfice que Dorcas a eu avant que ça ne pète. Tout l'argent qu'elle a eu à prendre, vous ne voyez pas ça. Vous dites que oui, vous faites des plateaux. Vous êtes une bande de minables. C'est pour ça que vous êtes cachés au noir. Ok? Je vous compte, je dis que mes mines soupes, à chaque fois que j'ai de l'occasion, mes mines soupes, baleine, cachalot, phoque, éléphant de mer, t'as pas les sous pour aller en Tunisie. Ok? Ou alors, aller, je sais pas où, pour faire comme les autres. Moi-même,
Heureusement que je suis un garçon, ma beauté se trouve dans les poches. Oui, oui, oui. Si j'étais une gars, moi-même, j'allais chercher, aller modifier tout ce que vous traitez là. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais comme je sais que oui, hein, chaque être humain a son à côté quelque part. Il faut être au bon endroit et au bon moment. C'est tout. Le jour où vous allez comprendre ça. Hein? Parfois, vous voyez des belles femmes avec des mecs bizarres. Vous voyez des beaux hommes avec des femmes que vous dites que vous venez bizarre. Vous allez avaler la paix là. Comme une simple petite nibakina. Ou alors purée là. Vous voulez que je déclare encore un compte pilule gratuite? Ah bon? Vous voulez? Il m'a dit, vous savez, hein? Pilule gratuite. Il m'a dit, hein? Vous êtes là, vous embêtez les gens, vous profitez des sorties des gens, hein? Il faut voir grogner le champion qu'il y a dans ton ventre, là, c'est nourri quand? Tu bois les yaourts quand? Tu manges, tu consommes les fruits quand? Dis-moi un peu, pour que ça essaye un peu de changer, hein? Hein? Tu fais les parapluies à quand? Pour que le jour de l'accouchement, que ton tortue lubrifie, comment on appelle ça, là? Hein? C'est comment même? Milliardaire, big up. Voilà donc alors une bande de menteurs, non menteuses, ils conjuguent tous au féminin. Ils sont à la fenêtre, voici celui-ci. L'autre, apparemment, il dit que je suis super fan. Avec quel compte? Vous savez que bien, quand vous étiez là-bas, là, j'ai partagé ces trucs. Oui, avec le compte de Komamugu. Est-ce que j'utilise encore ce compte-là? On peut être, comme on dit, super fan. Ça dit, tu pars chercher. À l'époque, oui. Je te soutenais, je te partageais. C'est normal. Frère. Arrête de manipuler les gens. On me voit encore là-bas, là, c'est mon frère. Est-ce que tu comprends un peu? C'est le concours. Le syndicat, c'est là où vient le super fan. Fais la capture d'écran. Manque-moi là.